Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Theme Park World. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour cette nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode plutôt, parce que ce n'est absolument pas français ce que je viens de dire. Donc ne fais pas comme moi. Voilà, donc on en était à notre parc qui est vachement crade, purée. Notre parc est méga crade. Purée. En fait, là, tous les gens sont ici avec les toilettes, ce qui pose un problème. Est-ce qu'on peut mettre un resto? Merde, le resto sont encore dispo. Après, on essaiera de trouver des gros toilettes parce que là, ça va pas du tout avec les petites toilettes. C'est le gros bordel. On peut pas aussi faire une... Ah ouais, non, merde, on en fait comme amélioration. C'est un problème. Alors, on va voir si... Bon, ça va. On gagne assez d'argent. Bon, là, on va essayer quand même de se faire le coaster dans cet épisode, parce que merde, quoi. C'est le troisième épisode, on a toujours pas fait un coaster. Alors que je suis coaster fan, super. D'habitude, j'en fais toujours un dans les premiers épisodes des jeux de parc. Mais là, bon, c'est un peu plus complexe. Ceux qui prétendent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ne connaissent pas vos chercheurs. Voilà, c'était le restaurant que je voulais. Une nouvelle série de boutiques est disponible pour la recherche. Et si on y arrive, on fera sans doute l'autre parc, le parc à l'horreur, au prochain épisode. Enfin, si on a bien avancé. De toute façon, on peut revenir à tout moment à ce parc-ci, donc c'est pas un problème. Si à un moment on voit qu'on n'arrive pas à obtenir assez de tickets d'or, on revient sur ce parc-là. Voici un nouveau défi à relever. Jetez un coup d'œil au message pour avoir des détails. Ah, ici, le défi. Alors, qu'est-ce que nous dit le défi? Vous pouvez gagner un... Si 15% des visiteurs achètent un ballon durant les 60 prochains jours. Ben, pas de soucis. Le problème, c'est qu'il va falloir en mettre un deuxième de stand de ballon. Ouais, c'est pas génial. Ouais, c'est pas génial parce que l'attraction est très mal placée. Voilà. Alors on va faire. Un petit monstre a déposé une boule puante dans votre parc. Il faudrait nettoyer ça avant que les gens ne tombent malades. Franchement, c'est encore pire que les animateurs. Merde. Voilà. C'est une boutique de ballons, là. Visiteurs sont contents, c'est à côté des toilettes en plus. Les chercheurs ont percé les mystères d'une nouvelle boutique. Nous sommes sauvés. Qu'il nous faut 15% de visiteurs avec des ballons. Ça risque vite d'arriver. Faut que ça avance un petit peu plus vite. Hein. Parce que bon, là, celle-là, elle est complètement passive. Hein, pas se mentir. Mais ça sert strictement à rien, cette boutique-là. Les visiteurs sont heureux et achètent des tonnes de ballons. Enfin, pas des tonnes. Les ballons, ce n'est pas très lourd, mais ils en achètent plein, tout plein. Allez, on y est presque. Presque 15%. En plus, ça va nous donner une petite aide au niveau argent. On n'est pas non plus hyper riche. C'est que le coaster coûte assez cher. Ça nous rembourse au moins le prix de la boutique. Si ce n'est moins. Allez, 15%. Il reste 17 jours, on va y arriver. Merde. Et le micro est tombé. Putain, ça baisse. Ah, ça, c'est les viseurs qui sont partis avec des ballons. Là. Une nouvelle boutique a été découverte. Ceux qui prétendent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ne connaissent pas vos chercheurs. Allez! Non, ne partez pas! Je ne veux pas vous bousculer, mais le temps vous est compté pour accomplir votre défi. Ça va, on met pas la pression, hein.
Un chenapan fait exploser tous les ballons des enfants. Ça les déprime complètement. Demandez à un gardien d'arrêter ses bêtises. Bon, on va pas s'en mettre un resto parce que ça, c'est le bordel. C'est combien la valeur à la caisse? Bon. Je n'aime pas porter les mauvaises nouvelles, mais vous n'avez pas réussi. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Bon bah tant pis, 8%, hein, pourtant on était bien parti, on était à 14% pendant un moment, hein, comme quoi, faut pas qu'il y ait victoire. Dommage. Bon, on va continuer donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire un resto à la place, mais vu comment ça se vend, et puis c'est un beau bénéfice, hein, on va pas se mentir. On a des ennuis, chef. On va le laisser comme il est. En revanche, on va peut-être faire, voilà, parce que comme cette attraction là est hyper populaire, on va plus la décaler par là, comme le coaster sera là. Ouais. Mettre un restaurant ici. Dans certaines zones du parc, il voilà. N'y a pas un seul balayeur. Je plus les restaurants, c'est bien, ça attire du monde. Évidemment, on n'a pas les toilettes, les gros toilettes. Il va falloir les rechercher plus tard. Une de vos attractions s'est effondrée, mais un mécano est en c'est... Ça a de la gueule, hein, quand ça s'est effondré, c'est pas mal. Un plaisantin laisse des détritus dans tout le parc. Voyez si vous ne pouvez pas mettre la main sur un balayeur pour qu'il s'occupe du nettoyage. Ok, Ah oui, mais par contre... Ouais, parce que... ouais. En fait, là, c'est la zone du bordel. La zone du gros bordel. Les visiteurs se conduisent mal et les gardiens ne remarquent rien. Vous devriez vous assurer que les gardiens patrouillent dans le parc entier ou bien installer des caméras de sécurité. Non, te barre pas. C'est si t'as... Voilà, attends. Je veux limiter ta zone, voilà. Une nouvelle attraction. Non, attendez, on a découvert une optimisation. Ce n'est pas la même chose, mais c'est... Très voilà, comme ça, on va pouvoir t'optimiser toi, là. Pareil pour toi. Ah purée, on a pas assez de sous. Hein. Oh, putain, le nombre de visiteurs, c'est ouf, dans la même zone. Vivement qu'on ait des gros toilettes. Voilà, on va pas se tarder. Mickey et Maya, qu'est-ce qu'on a encore Ça coûte cher pour ce que c'est. Non, là j'ai vraiment envie de faire le coaster. Eureka! On a découvert une nouvelle attraction. Non, attendez, on a découvert une optimisation. Ce n'est pas la même chose. Sur quelle attraction? Très bien quand même. Pas celle-ci, je suis sur Mambo. Merde, j'ai annulé l'optimisation. Tant pis. Voilà, je l'ai remise. Non. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Regardez, ça va dégringoler. Que se passe-t-il? Quelle attraction va s'écrouler? Il y a un malpropre qui n'arrête pas de cochonner le parc. Ah oui, au bout d'un moment, ça devient le bordel. C'est incroyable. Mais en fait, une fois qu'on a bien géré tout, parce qu'on s'est étendu de manière assez rapide. Bonnes affaires, vous êtes un génie du marketing. Félicitations. On s'est étendu de manière trop rapide. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités sont commodes. Voilà, donc là, on voit encore une optimisation. Certains visiteurs se conduisent comme des sauvageons et vos gardiens n'ont rien vu. Assurez-vous que les gardiens patrouillent dans tout le parc ou installez des caméras de sécurité. Eureka! On a découvert une nouvelle attraction. Non, attendez. Ouais, s'en fout de ça. Ce n'est pas la même chose, mais c'est très bien quand même. En fait, je vais essayer de dégager là tous les optimisations, comme ça on sera tranquille avec ça. À la limite, on pourra faire une grande flopée d'optimisations pour optimiser absolument toutes les attractions directes. Ça sera fait. Et après on est plus emmerdé avec ça. Après c'est qu'évidemment si on construit d'autres attractions ça va pas le faire. Non, on va arrêter complètement les optis. Je veux absolument sauf peut-être les optis.
On va peut-être voilà, faire le dernier volcano là, les optimisations qu'on n'a pas eues. Comme ça on va essayer rapidement d'avoir les gros toilettes et comme ça on sera plus emmerdé avec les petites toilettes là parce que c'est n'importe quoi ça. On va pouvoir remplacer tout ça. Une commodité a été découverte, vous savez, du genre je vais vite y aller pour me poudrer le nez ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Ouais, du coup les optiques sont deux fois plus lentes vu qu'on est sur deux domaines différents. Forcément les chercheurs ce sont deux domaines. Voilà. Hop. On baisse. Et on met de la thune dans les optis. Non, ouais, je crois que c'est tout. Bien, les employés semblent tous très contents. Continuez de la sorte et vous n'aurez pas de grève. On a tout. Nickel. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités sont commodes. Bon, j'aimerais bien faire le coaster là rapidement. Ce serait pas mal que tu me donnes de la thune. On va peut-être augmenter le prix du billet du coup. Ouais, il y a plein de gens. Hop, 55. On va voir Nobel Park, tiens. Fanta. Fantoura. Nickel. C'est beau. Le parc fonctionne. Enfin, l'air de fonctionner. C'est moi, mais... Non, c'est bon, c'est pas les visiteurs. Parce que les visiteurs, s'ils trouvent le prix trop cher, ils peuvent se barrer, en fait. Et c'est pas ce que je veux. Hein. Sinon, ce serait vraiment con. Vous vous débrouillez comme un pro. Les gens s'amusent vraiment bien dans le parc. Continuez. Merci, merci, merci. Donc... Voilà, une nouvelle commodité a été découverte. Vous savez, du genre, je vais vite y aller pour me poudrer le nez. Ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Voilà, donc les visiteurs sont quand même assez heureux là, apparemment. Tant mieux. Ouais, par contre, il faut vraiment se dépêcher avec les toilettes parce que c'est l'enfer. Il y a encore pas mal de commodités avant de pouvoir avoir accès aux toilettes. Voilà, sinon on se fait un petit emprunt. Oh non, il y a des visiteurs qui arrivent. Ça va le faire. Allez, moi je veux mon coaster. En plus, la gare c'est pas ce qu'il y a de plus cher en fait. Enfin, c'est... non, justement, la gare c'est ce qu'il y a de plus cher. Après, les pylônes c'est limite du gratos quoi. Donc, c'est pas si gênant. Doum, 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 doum. Bon, notre parc fonctionne bien apparemment. On va peut-être même faire une allée ici, hein, qui est strictement inutile, mais qui rajoutera de l'inutilité. Voilà, je viens de me répéter, mais c'est pas grave. Alors, je pense que du coup, le gros toilette, je vais le mettre ici. Ah non, il y a les jeux ici. Donc finalement, non. Ah, ça y est. Enfin, je m'en fous de tes commodités, là, c'est bon, moi je veux mon coaster. Hop. Voilà. Nickel. Alors là, voilà, on va pouvoir s'attaquer directement à ça. Non, voilà. Du coup, moi, j'ai supprimé cette allée parce qu'elle est complètement inutile. Tant pis, les toilettes, on va bien s'arranger pour les mettre quelque part. Oups. Une boule puante dans votre parc. Il vaudrait mieux faire le ménage. Ouais, la fille, elle peut juste sortir. Là, c'est bon. Il y aurait vraiment du ménage à faire. Voilà. Donc, comment faire un coaster? Alors là, c'est le gros bordel. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. On va faire le lift. Tac. Comme vous pouvez le voir. Il faut ériger des pylônes pour soutenir ce genre de circuit. Voilà, le lift en fait se met automatiquement. Pour ériger un pylône et relier le circuit. Si vous cliquez sur un pylône existant, un autre se mettra dessus.
En cliquant sur l'autre extrémité de l'attraction, vous compléterez le circuit. Voilà. Les boutons sur le bras du panneau de contrôle vous permettent de modifier les pylônes. Cliquez dessus et je vous en dirai plus. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait, c'est pas génial, mais bon, pour l'époque c'était vous pouvez placer des choses. Ça passe. C'est mieux qu'à RCT World, honnêtement. Une de vos attractions est sur le point de s'écrouler. Des années-lumière. Vous pourriez peut-être aussi la réparer. Sur le main à fond. On va essayer de smousser le lift à fond. Une nouvelle commodité Nickel. A été découverte. Vous savez, du genre, je vais vite y aller pour me poudrer le nez, ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va essayer de faire une drop. Ah non, j'ai plus de sous. Mais ça va, ça coûte pas cher de toute façon. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, je peux pas faire de loop parce que je l'ai pas encore amélioré. Donc on va le faire maintenant. Ah ouais, mais ça coûte cher, purée. Donc faudra faire une drop. On va la faire maintenant, la drop. Et on fera le loop après. Un petit monstre a déposé une boule puante dans votre parc. Il faudrait nettoyer ça avant que les gens ne tombent malades. Franchement, c'est encore pire que les animateurs. Je sais. Hé, vous ! Vous avez vu ce qu'il vient de faire ? Certains visiteurs se conduisent mal et les gardiens ne remarquent rien. Vous devriez vous... On s'en fout de ça pour l'instant. Moi, je veux le coaster, donc on s'en fout que les visiteurs se comportent très mal. Tant mieux, d'ailleurs. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes au PA, les de toute façon, c'est bien comme ça. Sont commodes. Ils ont des gros coasters en ayant des... Comment dire, un public assez... C'est spécial. Un public de quartier. Bon, enfin, Dave Loop, hein, écoutez. Ouais, le problème, c'est qu'il faut que je l'améliore. Hey. On n'a pas assez de sous. Ouais, on n'a pas assez de sous. Tristesse. Est-ce que je peux faire une petite toilette? Ah, je peux toujours pas faire mes toilettes. À moins que je les ai déjà cherchées. Non, je sais pas chercher. Dommage. Où se trouve... non, je pense qu'on l'aura pas ce mois-ci. Enfin, cette loop. Donc je vais faire un loop. En fait, on a besoin de faire qu'une amélioration pour débloquer justement la fonctionnalité des inversions. Forcément, là, c'est pas le cas. Enfin, là, pas encore. Si les défis ne vous font pas peur, en voici un nouveau. Regardez le message pour obtenir des détails. Pas de problème. C'est les stands. Une commodité a été découverte. Vous savez, du genre de toute façon, on a rien à perdre alors. Pour me poudrer le nez ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Je sais pas si c'est les stands ou si c'est les boutiques. Un nouvel ensemble de commodités est maintenant disponible. Vous pourriez demander à vos chercheurs de les étudier de près. Mais je veux juste mes toilettes. Enfin, les gros toilettes pour éviter les bouchons là. Donc, bon, ça a pas l'air trop possible en fait. Bon, dépêche! Faut que je fasse mon amélioration. Hein? Mon amélioration. Ça y est! Allez! Hop, c'est parti! Félicitations! Vous avez réussi et le prix vous appartient! Ah bon? Je fais combien de bénéfices? Un plaisant laisse des détritus dans tout le parc. Voyez si vous ne pouvez pas. On ne sait pas. Pour qu'il s'occupe du nettoyage. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a des ordures de partout, mais de toute façon, le problème va être vite réglé avec les nouvelles toilettes. Nos problèmes pour ça. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités sont commodes. Alors, notre loop. Il y a un petit polisson qui n'arrête pas de faire éclater les ballons des enfants. Vous devriez demander à un gardien de l'en empêcher. Ah, voilà. Alors, c'est ça que je voulais.
Ce bouton vous permet de déposer des pylônes boucles. Quand vous cliquez dessus, vous construisez une paire de pylônes, l'un après l'autre, pour boucler la boucle. Hop. Un chenapan fait... C'est du grand n'importe quoi. Ça les déprime complètement. Demandez à un gardien d'arrêter ses bêtises. Ce bouton vous permet de déplacer les pylônes. Cliquez sur un pylône pour le sélectionner et cliquez sur un autre endroit pour le redéposer. C'est du grand n'importe nawak. Pas de panique. Il y a un petit problème avec une attraction. Putain, c'est un nouveau banquette le truc. Les mécanos sont en route, tout ira bien. Ouais, sinon on fait un nouveau banquette et après on fait un vrai loop. Une nouvelle commodité a été découverte. Vous savez, du genre. Ouais, on va faire ça. Y aller pour me poudrer le nez ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Il y a un petit polisson qui n'arrête pas de faire éclater les ballons des enfants. Vous devriez demander à un gardien de l'en empêcher. Hop. On a des ennuis, chef. Une attraction est sur le point de s'écrouler. Voilà. Et là, on va faire le loop. Le classico loop. Voilà le magnifique looper. Le magnifique looper que tout le monde redoute. Même la redoute. Oh purée, c'était nul. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités sont commodes. Oh là 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 là. Alors là, c'est les chercheurs disposent à présent d'une nouvelle série de commodités pour leurs études. Ouais, non, là c'est trop chaotique. On va éviter le corkscrew. C'est du grand n'importe quoi. Je veux supprimer un morceau de track. Voilà. On va juste faire un simple airtime. Hein. C'est pas mal les airtime. C'est mieux qu'une inversion. Hop. Une de vos attractions s'est effondrée, mais un mécano est en route pour la réparer. Par contre, on tient pas compte de leur line, faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Regardez, par contre, on va acheter regardez, du terrain va parce que sinon, ça va être le bordel. Non, je peux foutre du terrain. Voilà, je vais acheter du terrain. Pour acheter une parcelle de terrain, commencez. Voilà. Non, forcément, ça va pas. Une nouvelle commodité a été découverte. Vous savez, du genre, je vais vite y aller pour me poudrer le nez, ou je vais m'asseoir dessus et me soulager un peu. Quoi à faire ? Ne vous inquiétez pas, pas de quoi s'en faire. Une attraction s'est écoulée, mais un mécano est en route. Une de vos attractions est non, il va falloir encore acheter un petit peu de terrain. Aussi la réparer. Voilà. Les clients de vos boutiques trouvent qu'ils font de bonnes affaires. Vous êtes un génie du marketing. Félicitations. Un chenapan fait exploser tous les ballons des enfants. Ça les déprime complètement. Demandez à un gardien d'arrêter ses bêtises. Voilà.
Je dirais pas nickel parce que c'est pas planète, hein. Une nouvelle commodité vient d'être découverte. Oui, toutes les nouvelles commodités. C'est pas la même époque. Donc on va rester zen. Voilà. Jusqu'ici tout va bien. Et là le coaster est ouvert. Inauguration. Inauguration. Bref, bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. La prochaine fois. On va quand même faire une on-ride. Bah oui. Évidemment. Le personnel est content. Et si vous le gardez dans cet état d'esprit, c'est du grand n'importe quoi ce jeu. On peut même modifier la vitesse donc. C'est du grand n'importe quoi. Oh là la drop. Oh la drop. Oh ça va le loop. Oh l'airtime. Putain c'est un éjecteur le truc. Wouah. C'est très vomitif. Bref, bon c'est pas grave. Hein. Toute façon on va partir sur un autre parc. On va faire le parc de l'horreur la prochaine fois. Histoire de gagner beaucoup de tickets d'or. De toute façon on va pouvoir revenir sur ce parc. Donc on a fait 3 épisodes sur un parc. Hein, c'est correct honnêtement. Bref, donc on va se quitter là, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, vos suggestions, n'hésitez pas à laisser vos avis sur le jeu, n'importe quoi. Bref, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.